Buongiorno a tutti, siamo qui oggi alla finale del Midget International Trophy con Jean-Philippe Deraux, che è il creatore, l'inventore della formula Midget, l'uomo che l'ha portata al successo in Francia e che sta consentendo, diciamo, anche l'esportazione in altri paesi per rendere questa formula una formula internazionale di grande successo. Siamo oggi qui a Vannelunga dopo la finale con le quattro gare. Io sono Frederic Lupo, sono responsabile commerciale della Poclin, che è l'azienda che produce le vetture, e andrò a chiedere tre domande sintetiche a Jean-Philippe. Allora Jean-Philippe, qual è la condizione del mercato francese ad oggi e del campionato? Buongiorno. La midget è una categoria che esiste da maintenant 7 anni in Francia e abbiamo beaucoup de succès depuis qu'elle a démarré parce qu'il y a un bon équilibre entre la performance, la fiabilité, le look de la voiture. Tous les pilotes ont la même voiture, donc la compétition est vraiment le plus important dans notre catégorie. C'est pas le pilote qui a le plus d'argent, qui sort le plus riche, qui peut gagner. C'est vraiment le pilote qui fait la différence. Pour nous, ça c'est très important. Donc maintenant, depuis 3 ans qu'elle a 2 litres est sortie en France, nous sommes complets. Donc nous avons une autorisation de 43 voitures sur la grille des départs, et c'est le cas. On y est, donc ça c'est vraiment un gage de sérieux de notre série, de faire venir autant de pilotes, surtout dans des moments un peu difficiles au niveau du sport automobile en Europe. Et bien sûr, des pays sont intéressés, avec l'Italie, la première course ici ce week-end, et puis les États-Unis, la Russie, le Danemark, un développement qui nous intéresse bien sûr, parce que on a un objectif, c'est de faire des rencontres, la passion du sport automobile, le plaisir de pilotage et un coût réduit, c'est le secret de la midget, je crois. Vi facciamo un'ultima domanda. Quali sono i segreti tecnici della vettura che la rendono così divertente e di successo? Quels sont les secrets techniques qui rendent la midget une voiture performante? Alors je pense que c'est vraiment un tout. C'est le poids déjà, c'est une voiture qui est très très légère, qui fait aux alentours de 750 à 800 kg. C'est très important pour l'usure des pneumatiques, pour l'usure des freins, pour la facilité de pilotage aussi des pilotes. Le moteur qui est central avant, c'est très important aussi pour l'équilibre de l'auto. Voilà, une bonne position pour le pilote aussi, pour pouvoir en soit grand, en soit petit, peu importe son physique, on est bien assis dans une midget et ça c'est très important également. Donc voilà, c'est plein de petites choses qui fait que la voiture a du succès aujourd'hui. Allora, grazie a Jean-Philippe per questa sua partecipazione, la prima sicuramente di una lunga serie. Li aspettiamo nel campionato 2015 con il campionato italiano, ma anche con delle tappe internazionali. Merci Jean-Philippe. Merci. Au revoir. Au revoir.